Hello, on se retrouve dans la froideur du Népal. On était arrivé au Népal, où on devait retrouver la clé Gagali, et j'avais encore une fois, vous me direz, fini sur un fail. Vous me direz, vous commencez à avoir l'habitude. Mais quand même, hein, vous laissez sur Me un fail, voilà. bon, c'est un bon Alors, moment, mais quand même. si tu n'es pas... T'avais quel âge? 8, 9 ans? À peu près, oui. Donc on avait vu l'épave, hein, donc là. Ils en parlent un peu, je me souviens plus s'ils en avaient parlé. Ah oui, je me souviens de la musique que j'adorais, c'est vrai. Donc on continue de descendre, d'avancer. Bon, c'est un peu chaud là. Ah oui, donc apparemment, hop, yep, pas. Tout va bien. Tout va bien. Voilà ce qu'il faut pour arriver Ah au d'accord. sommet d'une montagne. Ah, Cette oh, fais année, donc il faut on qu'on essaie de parle. le dégommer, Je non. lui ai dit de On se peut mêler de pas. ses affaires On peut et il pas me le suit détruire, jusqu'au bout du donc. monde. Il a peut-être mal compris. Tu crois qu'il est Ok. adaptable? Oh, J'en doute. Assez descendre pour moi. et c'est un fail. C'est un putain de fail pour commencer. Bravo, vraiment merveilleux Lara, je te félicite pour ce fail mémorable. Bon, donc on sait comment il faut faire, hein, mais faut quand même Me descendre. voilà. Alors ça, Ah oui, on reprend si tu n'es carrément là, pas... d'accord. T'avais quel âge? 8, 9 ans? À peu près, oui. Bon, vous me direz au moins, ça me permet de d'avoir à chaque fois cette superbe musique, mais quand même. C'est assez apaisant comme musique, ça. Avec les, je ne sais Voilà pas ce qu'il si faut pour c'est, arriver je au sais pas sommet qui chante. d'une Je sais pas, Cette peut-être année, il faut qu'on une plante. des Je babochkées. lui ai dit de se mêler de ses affaires et il me Hop. suit jusqu'au bout du monde. Il a peut-être mal compris. Ah, Tu j'avais crois qu'il cru est voir quelque adaptable? chose en J'en dessous. doute. Pas s'il peut rester chez lui et se Ah, reposer. voilà. Tranquille. Oula, j'entends, oh, j'entends quelque chose. Y a-t-il hein, quelque chose, quelqu'un? Oh, hey, un quelqu'un! Quelqu'un? Quelqu'un? Avec l'espèce d'écho. Hein. Ah, oui, j'entends bien des grognements, donc je pense que c'est un tigre du Népal. Qui doit être bien caché, cela dit. Ah bah. Oh, il est trop mignon! Il est trop mignon, bon. En plus, dans le blanc et tout, enfin dans le blanc bleu là, ça rend vraiment super bien, il est super joli. Bon, désolé, par contre, je vais devoir t'exploser. Ah. J'aurais dû te faire exploser, mais je suis désolé. Hein. Ah, vas-y, on le shoot, on le fight, bing, 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 voilà. Il ne va plus en avoir pour autant. Et... Oh là, hey, c'est la fin pour Fais gaffe, tu sais que ce machin pourrait tomber de la falaise à tout instant. pour ce Je tigre le du savais Népal. avant et je le sais encore. Tout ira bien ici. Ne t'inquiète pas. Ah, yeah. Je peux pas le dégommer, je ne peux que le tirer, d'accord. Hé, attends! Si tu entres là-dedans sans mettre un contrepoids au bout, tu vas tomber de la falaise! Ouais, pas Bon faux. conseil, Zip. Pas faux. Je vois ce qu'il y a sur moi. Et sur une stun, il signe échec. Ouais. Comme par hasard, évidemment. Tout est une question d'argent ici. Ah, voilà, donc c'est bon. Point de passage. Ah, une cinématique. Ah, vite, oh, oh c'est bon, je l'ai récupéré. Wouhou. Ah, ça c'est parfait. Et... Ah merde! Le fail! Elle a fini écrasée la Lara Croft. Elle a fini écrasée et tombée dans le ravin. Waouh. Ah, le fail! Waouh! Le fail absolument incroyable. Ah oui c'est vrai non putain j'avais oublié de remettre le machin non bah décidément deux fails coup sur coup waouh c'est un peu n'importe quoi donc faut pas que j'oublie de remettre le truc en plus hop, voilà là on remet le machin et normalement ça devrait être bon voilà. C'est parti, donc là il me semble que c'était droite, voilà. Oh.
c'est... Ah papa. J'adore ce fail, c'est dingue, mais non, mais deux fois de suite c'est quand même dégueulasse quoi. Se faire avoir deux fois de suite au même endroit c'est quand même débile. Ah non mais... Deux fois elle se fait écraser par le siège. Vous me direz c'est un piège épique quoi, mais quand même c'est... Waouh. Ça c'est vraiment un super fail quoi, c'est... Waouh. Mourir écrasé par un siège, c'est... C'est bidon. C'est bidon mais débile. C'est ça. Récupère-le, voilà, hop. Hop, voilà. Bon, faut absolument que je déroule pour y aller. Voilà. Wow. Ça n'est pas eu d'un rien. Vite. Yes. Wow. C'est réussi, j'ai récupéré la clé Galali. Lara, ça va? Oui, bien sûr. En fait, c'est que... D'habitude, c'est dans le passé des autres que tu fouilles. Là, tu te trompes. Ce n'est jamais que le passé des autres. Bon, il me reste encore une chose à voir. Je n'en ai pas pour l'autre. Et après cette superbe cinématique et avoir enfin réussi cette vidéo d'action, eh ben, on continue la suite dans ce Népal. Hop, par contre, voilà. Bon, je ne sais absolument pas comment faire, hein, je vous le dis. Je ne sais absolument pas où passer. Ah, apparemment, c'est par là qu'il faut passer, ok. Hop, donc là, on tire, c'est bon. Normalement, ouais, soit je tombe dedans, ce que je ne sais pas. Non, c'est pas ça. Donc je ne dois pas tomber dedans, mais alors pas du tout, parce que sinon je meurs comme ça. Et ça fait un peu débile. Ça fait mort complètement débile même. Et donc on va éviter, hein. Donc on continue. Donc je vais retourner dans cet endroit là. Merde. Je ne sais pas si je me lâche, ça fait que je meurs encore, d'accord. Donc je ne peux absolument pas tomber dedans, sinon je meurs direct. Donc je ne sais absolument pas si je dois traverser l'espace, si je dois... Je ne sais pas. Alors... Vous me direz, j'ai largement le temps pour ça, j'en suis pas longtemps de vidéo, enfin, je pense, donc normalement ça devrait être bon, donc voilà. Donc là, normalement, si je saute, ça devrait être bon. Non. Attendez, parce que j'hésite également à tomber. Attendez. Est-ce qu'il y a moyen? Non. Derrière. Eh non! Oh là, avec un bug de texture. Un bug de texture et une nouvelle mort pitoyable. Bravo Lara. Pouh. D'accord, en plus j'en suis à seulement 8 minutes à peine de vidéo. C'est vachement... C'est vachement super. Écoutez, j'ai bien envie... Avec, en plus je peux même pas remonter, donc c'est super. C'est super, je ne peux même pas remonter, je ne sais pas, peut-être que par là il y a quelque chose à faire ou quoi, parce qu'on voit un truc là-bas au bout, donc je ne sais pas si je dois aller là-bas au bout. Attendez. Ouais, non, c'est... Oh, attendez, il y a moyen là-bas, mais je ne sais absolument pas comment. Parce qu'apparemment c'est par là-bas, mais par là, il y a également... De l'autre côté, il y a également un autre truc... Aïe, 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 je tombe dans le vide aussi. Bon, et ben, c'est un nouveau fail. C'est un nouveau fail, encore une fois, c'est super. Non, je ne commence pas à péter un peu les plombs, c'est juste que, voilà, je suis un peu paumé. Et qu'il m'est impossible de retourner en haut, donc c'est vraiment génial, je me suis bloqué comme un débile. Mais bon, je pense que là, je ne suis pas réellement bloqué. Hop. Allez! Je fail! Ta la 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 la. Super, franchement bravo. On a applaudi bien fort Lara Croft, c'est vraiment superbe. Comment faire une vidéo avec plein de fails de Lara Croft, hein, et ben regardez-moi, vous verrez. Vous pouvez faire une vidéo avec que des fails de Lara Croft, c'est possible. Et ben voilà, c'était pas si compliqué, bon sang, tout ça pour un truc d'argent, d'accord. Là franchement, l'excitation que j'avais retrouvée grâce au fait que j'ai réussi ce saut, ben, est retombée comme un soufflé.
Ah c'est... Ah franchement c'est le... En gros c'est le tout ça pour ça quoi. Ah bah. Non en fait c'est de la quest que je vais aller. D'accord. Donc je ne sais absolument pas, je ne sais pas si... Non il veut pas. Hop, allez, elle veut, hop, ça marche absolument pas quoi. Et l'autre c'est qu'une texture donc ça passe pas, donc je ne sais absolument pas. Je ne sais absolument pas où passer quoi, c'est dingue. Je sais pas, j'ai peut-être oublié quelque chose par là-bas, je vais regarder. Hop, vas-y, tire le machin encore une fois, voilà. T'aimes bien tirer des choses, hein, forcément. Y a pas de souci à ce niveau-là, Lara. Hein. Ah, une main en plus, waouh. C'est superbe, hein, ça. Alors, avec des stalactites ici, on voit là, également... Ah oui, le nez de l'avion qui était ici. Non, c'est le nez ou le cul qui était... Je crois que c'était le cul hein, qui est en haut. Parce qu'on avait l'avant juste là. Donc, Attendez, je ne sais absolument pas... Wow. Bug épique. Franchement, bravo Lara, hein, c'est superbe. Attendez, mais il y avait un moyen de passer, ouais, c'est pas possible, y'a... Attendez, je suis absolument mais paumé, quoi. Je suis paumé, je ne sais absolument pas comment faire, c'est dingue. J'ai bien envie de vous laisser là, quoi, parce que je suis absolument paumé. Attendez, il y a sans doute quelque chose à faire en haut, quoi, c'est pas possible autrement. Je sais pas, j'ai peut-être pas récupéré quelque chose au-dessus, ou... Ouais, à mon avis, il y a quelque chose que je vais récupérer en haut. Ah bah, ok, en fait, il fallait bien se mettre sur le bord, d'accord. La solution était toute simple. Et regardez, voilà. Donc là, il y a ici... Ah bah, point de passage, d'accord. Ah, oh, un trésor. Et je vais aller récupérer après. Ah bah, il y a ça d'abord, ok. Ah oui. Mais comment ça se fait qu'il y en a deux, en fait? Bon, vous me direz, c'est le deuxième réacteur, d'accord. Je comprends, je vois bien. Mais à quoi qu'il sert donc? Je sais pas, peut-être que si on avait paumé le premier, ça sert au cas où, mais je pense pas, ça serait... Ça serait un peu débile, quoi. Donc là, je ne peux absolument pas passer, ok, mon grand. Donc je vais essayer de faire descendre ce bidule. Hop. Yes, là, hop. Normalement, si je passe par ici... Ok, non. Il refuse, là c'est pareil, donc on regrimpe. Ouf, oh là là, là. C'est un foirage cette vidéo, c'est vraiment un foirage à peu près total on va dire. Hop, voilà. Yes, et voilà, bing. Allez, dégagez, donc maintenant ça fait du rouler-rouler. C'est bon, voilà. Voilà qui est fait. Attendez, donc normalement, hop. En récupérant ici, ça devrait être bon, voilà. En plus c'est écrit en je sais pas quoi sur le réacteur. Ouh, attention, me pousse pas dans le vide, hein, ce serait un peu dommage. Donc je ne sais pas si ça doit faire tenir quelque chose ou quoi. Ah, donc là il y a quelque chose apparemment. Vas-y. Attendez, je suis persuadé, enfin persuadé non. Mais je pense qu'on peut, il y a moyen de le faire tomber. Et je suis absolument paumé dans ce que je dois faire quoi, c'est dingue. Help me! Help me, je ne sais absolument pas quoi faire. Wow. Parce qu'après c'est que un glacier, donc forcément c'est impossible quoi. On ne peut pas passer par là. Donc je sais pas, je pense que ça peut peut-être se bloquer dans... Ça peut peut-être se bloquer et me servir de plateforme. Donc je vais quand même voir s'il y a moyen de pousser avec un truc au-dessus ou je ne sais quoi. Hein. On ne sait jamais. Oui, je me remets à chanter. Je suis désolé pour vous. Donc là, elle veut absolument pas remonter, hein, d'accord. Donc là, il y a le nez de l'avant, donc l'hélice, enfin l'hélice, oui. Ouh. Donc, allez, bah tiens, en plus, perds de la vie, ma grande. Je te dirai rien. Bon, le truc qui sort absolument... Ah bah, je vais peut-être trouver quelque chose là, voilà, je vais essayer de voir s'il y a moyen de faire décrocher l'hélice, je ne sais pas, peut-être. Ah, il y a quelque chose là au-dessus en plus, d'accord. Je suis paumé. Je suis paumé. Je ne sais absolument pas comment me sortir de ce truc. Je suppose que la...
La solution doit être vraiment toute simple, hein, mais... quand même. Ah, bah voilà, j'ai carrément récupéré le truc. Hop, on dégomme les hélico, hein, comme on peut. Enfin, les hélico. Le petit avion. Je dis l'hélico parce qu'il y a une hélice, hein, forcément. Donc voilà, j'essaie de la faire tourner le plus possible. Bon, j'ai l'impression que c'est plus un truc de rigolade qu'autre chose, quoi. Ça n'a vraiment aucun but. Eh, hey, me pousse pas dans le vide, oh! Ouais, elle veut absolument pas remonter quoi, donc je ne sais absolument pas quoi faire. C'est super. Ouais, je tiens carrément dessus, c'est super, ça ne sert à rien du tout je pense. Attendez, il y avait un moyen de décrocher quoi, c'est pas possible, ça ne sert pas juste qu'à la décoration, c'est... C'est pas possible. Oh. Et je me suis fait hiler mais comme une grosse tarte. Donc là je suis carrément dessus. Attendez mais... Ouais, parce que là c'est un glacier quoi, mais c'est pas possible. Et... Ta le vide. Dans le vide. Dans ton... C'est bravo, franchement c'est bravo. C'est... Wow. C'est excellent. Je sais absolument pas quoi faire. Je vous le dis, je suis un peu paumé. Si j'y arrive pas avant la fin de la vidéo, je le chercherai par autre chose. Je chercherai hors caméra. Est-ce que je dégomme là? Non, ça ne fait rien. Mais... c'est super ça. Pourtant, je suis persuadé que c'est devant mes yeux, quoi, mais... Je vois pas. Franchement, je vois pas. Ça m'arrive d'être débile, hein, parfois. Oui, je sais, le parfois être trop, hein. Mais... J'avoue, je suis vraiment paumé, quoi. Népal, la clé de la construction d'Excalibur, donc ça veut rien dire, ça ne m'aide absolument pas. Donc là, il ne veut rien me dire. Il est peut-être temps de déplacer les meubles. Ouais, mais ça me sert à rien du tout ton truc. Je suis mais alors complètement à l'ouest, je sais pas, vous me direz, tiens mais c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et je suis sans doute passé devant, ça c'est quasi une certitude, mais voilà quoi, c'est. Je le trouve pas, je vois pas. Je vois pas. Vas-y, je repousse encore le bidule. Bon désolé j'ai fait un blanc mais bon je sais absolument pas quoi vous dire puisque je suis absolument bloqué. Hein. Alors mon grand, si tu veux bien tomber ça m'arrangerait. Allez viens par ici, viens par ici. Allez viens mon coco, viens. Bon, en même temps vous Hop. Oh punaise, alors là si je me faisais assommer par le réacteur ça aurait été encore plus débile que la mort par siège. Hop, je sais pas, je vais essayer de le faire tomber, on va voir. Bon, je vais essayer, puis si jamais j'arrive pas, ben franchement je vais vous laisser là parce que ça me saoule un peu ce truc. Hop, allez, je me fais avoir. Écoutez, encore une fois, je finis par un fail, hein, et je vous dis bye bye.